de la part des avants français. Teams Board libère pour Camille Lopez. La passe au pied pour Teddy Thomas. Elle est millimétrée. Et un début de match idéal pour le 15 de France. Essai, premier essai international de Teddy Thomas. Après seulement une minute de jeu, on va attendre la confirmation. Sans doute à l'avenir. Always for the sun don't shine, tears don't show up. Hurt me now, cause I've been broke up. Hate myself, but it won't show up. Cross me wings up, my remorse in us. Fall for the wolf, things for the shepherd in us. One for the sheep, oh. Led by your leopard, often. Devil's perception as a handle of weapon took a bite of your appetite. Très intéressant, c'est pour ce soutien qui fait encore la différence, qui crée le décalage. Oh, this is reckless, this is war with the past. Teddy Thomas, le passage de Cooper, le raffut, Teddy Thomas qui reprend l'axe et qui a débordé les Australiens. Le cavalier de Thomas, et l'Australie, Teddy Thomas, non, ce n'était pas un feu de paille. Il avait inscrit un triplé contre les Fidji. Il nous régale ce soir au Stade de France. Ah, il a dû battre. Je compte 5 adversaires en direct, dit Thomas. Avec d'abord son retour intérieur, il est passé dans un trou. Il est passé d'ailleurs, il n'y avait pas de trou. Sur cette touche, le ballon est parfaitement capté par Rouma. Le mol de Biarritz s'organise et Jean Souza aplatit derrière la ligne. Being bothered nevertheless, keeping me out of prison and putting me to the test. He asked me what is happiness, he write it on his check. I feel it on the sweat when your dick is in the breast, huh? Give me a sec, look. Why is it so vividly portrayed within my dreams? Fear of understanding the devil's running its course. Hatred's not received, it's coming straight from the source. Remorse, as this time becomes a factor. Minds full of greed, this sport is a benefactor. Backwards, pace backwards, everything superficial. Only reaching the surface upon the unconfident flames and over the earth. In my possessions, they incinerate. This is far beyond any director tried to demonstrate. See the record, hit the record, take the record, set it straight, perplex. Only receive slumber when at heaven gates. And this is failing to be free. Trying to contemplate your conversation, hesitate and navigate your inner traits. Back to a time where minds would just matter. If you stated opinions, your bones would begin to shatter. It didn't matter back then, cause there was no reacting, acting up. Chevy and Black. Accurate fact for the black in fact if you thought that you were free. Dans la boîte, la couverture assurée par Lesgourg. Échappé à ce cas, Jean Lesgourg va chercher à se rapprocher de ses partenaires. Il va vite, très vite, Jean Lesgourg et c'est pour faire la tête. Oh, l'explosion du demi-mêlée de l'Union Bordeaux-Bègles. Jean Lesgourg, il s'est faufilé seul et il permet à Bordeaux de revenir à 1 point, 29. Ah oui, quel exploit de Jean Lesgourg. I'm not sure.
également Loukou qui trouve Dachary qui arrive lancé qui peut conclure. Charles Jiménez trouve la faille et s'échappe, il transmet à Dachary qui est repris au sol. C'est bien joué, on est dans le tempo. Avec Théo Dachary, avec pas eu beaucoup un but de bien joué. Cette course de Dachary qui avait transpercé la défense écossaise. Bien joué. Le quatrième essai, il est là pour Arthur Requier. Le quatrième essai des Français qui fait du bien, c'est mérité, que ça fait du bien de les voir comme ça, des Français. Partaz, derrière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, regardez, ils cherchent des intervalles, ils cherchent à se faire des passes. Biarritz continue son festival offensif. Le jeune centre de 18 ans a raté ce profil dans la défense bayonnaise, puis élimine quelques défenseurs. Sa passe n'est pas très précise, mais Lévy récupère le ballon. Raté qui feinte la passe et dépose les deux défenseurs en 4-2 pour aplatir dans un rageur ce quatrième essai, synonyme de victoire bonifiée pour la plus grande joie du président Bush. Mais cela n'empêche pas les Biarros d'attaquer pied au plancher. Après avoir récupéré le ballon dans leur camp, les Basques enchaînent avec notamment cette percée de Hamdaoui. Lévy fait valoir à sa vitesse et sa justesse pour adresser ce ballon à Araté qui voit un boulevard s'ouvrir devant lui. Et évidemment, le 3-4 centre conclut 8-0. Et sur cette action, les Bergeniens vont à nouveau se faire surprendre. Sur ses 5 mètres, Michalet se fait contrer. Et c'est une nouvelle fois Alex Araté qui conclut pour le Biarritz Olympique. Complètement emporté avec un avantage en coup. Le fils d'Olivier Roumat pour sa première titularisation sert Lucu qui donne un ballon à hauteur, même main pour Araté, 18 ans. La jeune garde biarrotte sort du bois. Transformé par le superbe coup de pied en coin de Johan Le Bourris. Des 35 mètres en face des poteaux, le demi d'ouverture du BO ouvre le score et concrétise la domination de son équipe dans ce début de rencontre. De Benoît Babi qui déchire le rideau polymérien. Le 3-4 centre trouve une longue passe son ailier Tim Gires qui conclut un magnifique mouvement en première main pour le premier essai de la rencontre. La fin du match. Le suspense est total dans cette rencontre, mais ce sont les Biarros qui, malgré leur infériorité numérique, vont à nouveau trouver la faille. Jiménez sert Benoît Babi, le 3-4 centre voit le trou dans la défense de Montoise, tape un rasant parfait cueilli par Gires qui s'arrache.
près du ballon, l'ailier Tim Gires a flairé le bon coup et s'échappera. Il file tout en vitesse le long de la ligne de touche pour aller marquer le seul essai du match. Et Tim Gires qui surgit pour intercepter ce ballon et sprinter sur 80 mètres, aucun Aurillacois ne pourra l'arrêter. Mais il en faut plus pour déstabiliser les arrières basques. Après Davis, c'est Hamdaoui qui fait apprécier ses qualités de rafuteur puis de sprinter. Kylian Hamdaoui en profite allègrement et c'est exceptionnel de l'arrière du BO qui mérite bien quelques ralentis. Trop tendre, Tuilagi et Caminati se font rafuter comme des juniors. Prise d'information, appui dynamique, double rafut, tout y est. Un exploit. Un coup de pied par-dessus la défense, car il n'y a plus de troisième rideau chez les Sapiaka. Le rebond retombe dans les bras de l'arrière Hamdaoui qui récompense sa combinaison en allant marquer l'essai du bonus sous les poteaux. Pleine maîtrise de leur jeu et en pleine confiance. Faute de solution, Inigo tape au pied. Grave erreur. Les qualités de relance d'Hamdaoui sont énormes. L'arrière rafute Morino avant d'imposer un petit cadrage débordement à la plage. Il conclut finalement sa course de 60 mètres par un essai. Les supporters Biarro qui ont fait le déplacement sont ravis. Hamdaoui aussi, il vient de signer son premier contrat professionnel avec le Biarritz Olympique et il fête ça avec un quatrième essai cette saison. Chély qui a fait une percée à la 3/4 pour transpercer le rideau montois derrière la transformation du jeu. Et Hamdaoui excellent tout au long de cette première mi-temps. Dynamiteur de défense qui inscrit en solitaire le deuxième essai pour Biarritz.